tous, bienvenue dans le Vexin aujourd'hui pour essayer la nouvelle monte Pirelli, le Diablo Rosso 4, évolution du Diablo Rosso 3 qui cette année va prendre un accent beaucoup plus sportif. Et c'est visuellement parlant que je peux dire ça déjà parce que finalement on va regarder les sculptures ensemble, on va trouver un taux d'entaillement bien moindre par rapport à la génération précédente. Qu'est-ce que ça veut dire moins d'entaillement? Ça veut dire plus de pavés, plus d'empreintes au sol et aussi plus de stabilité. Ça c'est une première chose. Deuxième chose, des nouveaux composés. Forcément, nouvelle génération, nouveaux composés. Sur le pneu avant, on retrouve un composé bigomme. Plus dur forcément sur la bande de roulement, avec plus d'élasticité et plus de capacité à encaisser la vitesse et les échauffements sur les épaulements. À l'arrière, même principe, on retrouve un bicomposé jusqu'à 190 de largeur. Et ensuite, pour les machines les plus puissantes et les plus sportives, un tricomposé avec une gomme encore plus capable d'encaisser la puissance et les échauffements sur les épaulements. Aujourd'hui, Pirelli nous a proposé un format assez singulier pour tester le Diablo Rosso 4, c'est-à-dire qu'on a roulé toute une journée avec la même moto, le matin avec un Angel GT2 beaucoup plus bas GT, et l'après-midi, on est passé sur du Diablo Rosso 4 pour tester les différences entre justement ce pneu GT et ce pneu sportif routier. Étonnamment, à basse vitesse, j'ai préféré finalement le pneu sportif qui a ce côté un petit peu plus rond, on va dire, sur la bande de roulement, qui permet plus de progressivité. Alors c'est moins vif, étonnamment, que le Angel GT2, mais finalement, c'est un comportement plus lisible, on va dire, à basse vitesse. Bon, sinon, toute la journée, on a roulé donc sur les routes du Vexin. Alors, sur une Panigale V2 960, bah ça tabasse un petit peu, mais c'était intéressant quand même. J'ai tout coupé, l'anti-patinage, l'anti-wheeling, comme ça j'avais vraiment les sensations du pneumatique. Alors effectivement, on a déclenché un petit peu quelques glisses de temps en temps, mais c'est quelque chose qui est assez lisible et qui n'est pas très violent. Il n'y a pas de décrochage violent, le pneu prévient assez simplement et assez lisiblement. Surtout, on a un feeling finalement à la mise sur l'angle qui est beaucoup plus précis qu'avec un Angel GT2. La carcasse donne beaucoup plus d'informations, notamment quand on va arriver sur l'angle et c'est des cassures sur l'angle. On sent que la moto bouge quand même beaucoup moins. Bon, voici pour les sensations qu'on a pu avoir aujourd'hui sur cette première prise en main du Diablo Rosso 4. Mais je vous propose de retrouver Yann Labarthe pour plus de détails techniques. Donc je suis aujourd'hui avec Yann Labarthe, directeur Pirelli Metzeler France, côté moto. Alors Yann, déjà peut-être en quelques mots, est-ce que tu peux nous parler donc du Rosso 4 et surtout le segment déjà qui est visé par ce pneu? C'est un pneu sportif, routier, qui appartient à la famille Diablo. Donc c'est une famille qui est emblématique chez Pirelli Moto parce que c'est la famille qui représente le pneu sportif sous toutes ses formes. C'est le pneumatique qui va certainement concerner le plus de motards. Il vise le plus large. Quoi. Voilà, puisque bon, tout le monde ne roule pas en slick, alors qu'à contrario, ça c'est un pneu sport route. Donc ça va concerner quasiment toutes les motos qui se montent en radial sur le marché. Ça va aller du roadster de faible cylindrée jusqu'à l'hypersportive de plus de 200 chevaux en passant par les crossovers sans aucun problème. En termes de positionnement, il se situe au-dessus de l'Angel GT en termes de l'Angel GT2 en termes de sportivité. Ouais. Qu'on a pu essayer aujourd'hui en plus. Vous avez pu pour pouvoir comparer. Essayer pour comparer, voilà. Donc qui est un pneu qu'on appelle touring ou tourisme, donc c'est un pneu à vocation moins sportive mais qui va durer plus longtemps, qui va avoir une durée de vie plus longue. Il va surtout se rapprocher de son grand frère, le Rosso Corsa 2, qui lui, contrairement au Rosso 4, est pas nouveau de cette année. Donc effectivement, sa performance sportive est tellement bluffante qu'il va se rapprocher de son aîné. En termes de durée de vie, on vise la même durée de vie que le Diablo Rosso 3, puisque c'est un pneu qui est destiné à rouler tous les jours et sur tout type de moto. On vise un grip amélioré sur le mouillé, grâce à un meilleur drainage et à de nouveaux composés de gomme riches en silice. Ouais, tu parlais plus de silice et des nouvelles silices. Hein, ouais, des nouvelles silices, voilà, plus performantes qui offrent un très bon grip sur le mouillé. Ça, c'est pour l'aspect sécuritaire. Et après, pour l'aspect sportivité, effectivement, le cahier des charges du Rosso 4 et puis je peux en témoigner parce que je l'ai essayé sur piste en début de semaine moi-même, est plus sportif encore que le Rosso 3, notamment
pour les motos les plus exigeantes. Sur la version trigomme, prenons l'exemple du 260x17, qui est la montre d'origine de la Panigale V4, ouais, moto puissante s'il en est. Le composé de gomme sur l'épaule, qui d'ailleurs est complètement slick de ce pneumatique-là, c'est un composé qui est proche des composés SC3 qu'on retrouve sur les pneus racing de loisirs ou d'endurance. Merci, bah, Yann. Avec plaisir. Pour conclure, on peut dire que la sportivité et l'efficacité du Diablo Rosso 4 est bien présente. C'est un pneu super lisible et quand même assez sportif qui va finalement bien sur une sportive comme la Panigale V2. Évidemment, c'est quelque chose qu'il faudrait pousser encore plus loin pour pouvoir ressentir toutes les évolutions de cette année. Un dernier mot forcément sur les tarifs de ce Diablo Rosso 4. Comptez entre 280 et 290 euros le train complet suivant les tailles. Évidemment, si vous avez l'occasion d'essayer ce pneu, faites-nous votre retour à vous. Et si vous voulez plus de détails, eh bien vous avez l'essai complet sur motoservice.com. Allez, salut! We'll be right back.